novembre 2022, gros bonjour et bonsoir pour nous toutes, amis, compatriotes, TV la caille haïti.com yo. Et nous comptons entrer à Kayou jodi an la, donc avec nouvelle vidéo ça, avant même nous entrer plus loin, plus fond, dans information que nous portons pour fanatique nous yo, n'a dit merci à toutes amis nous yo, compatriotes nous yo, quel que soit côté ou dans monde ça et quel que soit tout, à l'heure disponible pour assister vidéo ça, n'a dit merci pour fidélité yo, merci avec nouveau abonné nous yo et merci tout avec ancien abonné nous yo, guys, moi mais nous en pile et nous bam en pile force pour continuer informer nous pour continuer porter eh bien toute nouvelle sans stress pour vous. Dossier insécurité a après désordre nèg Timaka qui fin fait dans figi la police après Chavlin D que nèg dans canan fin boulé eh bien n'a dit que gien gros décision qui prend en haut état major la police là pour nèg yo même mettre fin avec question insécurité a pour nèg yo mettre fin dans la vie tout bandit qui même a terrorisé population. Tout bandit qui a fait la pli et le beau temps, tout bandit qui a même pensé c'est le chef pays ça, c'est le fait et de faire, et bien, on a dit ok, maman petite, marie vente, si vous pas bandit, vous mettez quelque propose, mais si vous connaissez chemin ou pas droite, vous mettez commencer, régler cause zéro parce que, gen bagay kap vini nan jour là, et bien, pral gen en pile crié dans la République, pral gen en pile sang kap coulé, et pral gen en pile bandit kap tombé, parce que la police l'a déterminé, nèg yo senti yo fâché, après des ordres que bandit a fait, coupé tête la police, coupé tête policier, disons, et coupé pied yo, mette main yo sous ventre yo, nèg yo humilié la police, et fois ça, en pile nèg levé campé, et nèg yo pas content pour façon que, et bien, bandit yo même a touye, assassiné policier, et gros levé campé fait là, quelqu'un couri dans la République. Gagné tout commissaire Lafontaine nous connaît après des blouses qui pétaient dans le gouvernement Ariel Henry là côté gagné divers ministres qui ont même joine révocation yo. Et bien mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'a dit que okay, Jacques Lafontaine qui dit même pull up en bête non paquet et à tout en sécurité derrière et bagaille ça bail en pile nèg qu'est sauté Hélène connaît escombre qui éclaté entre ministre justice là met Beto Dossé avec Jacques Lafontaine bagay sa grand pile monde qui dit li marqué sans parce que et Jacques Lafontaine voulait prendre place ministre justice là non mais met Beto Dossé et met Beto Dossé qui soumel getan flanqué monsieur un côté et bien décision ça lui même qui ka contre la vie Beto Dossé qui c'est ministre justice dans pays ça nous pral inviter gen tout détail en dans vidéo ça restez connecté bon mardi tout le monde bonne écoute n'a tourner pour une prochaine vidéo. Alors, on a noté que la situation est selon les responsables au niveau du centre départemental de l'Ouest. Hein, et il y a gagné des tirs depuis dans la soirée du mercredi soir et pour ouvrir et dans jeudi et des tirs de groupes armés qui ont boum entre eux. Et côté que ils ont d'abord tenté et investi en espace qui gagnent et nos zones qui plus haut au commissariat qui c'est antenne que nous placer là et pour arriver dans et sous commissariat et n'a pas profité encore une fois antenne carré pour nous il dit que policiers qui au niveau antenne au niveau commissariat et autour étaient pratiquement étaient engagés en combat avec monsieur et côté que yo été sollicité renfort de la police et direction départementale là qui a fait suivi côté que renfort aux Gémini et qui pratiquement a été en combat de plusieurs heures en police et bandits armés. Et on note tout et Jean Mackinson tout est signalé tout, l'intervention qu'il a fait, côté que la population est venue en appui avec la police et n'a profité tout sollicité collaboration ça que la population a déporté avec la police et n'a pu continuer encore une fois solliciter collaboration pas simplement au niveau de sa grande détachement et tout l'autre côté, côté que les croyants de gang et gens que Johnny Papi a en conciliation d'affaires et de côté bandits armés, lourdement armés et population pratiquement des zones prises en otage et mon groupe Montaïo au niveau de la détachement déterminé avec la police pour que eux-mêmes ils combattent M. Sayo, groupe armé Sayo, pour empêcher de prendre les quartiers.
dit et par la suite renfort blindé en CIV. Et j'en dis tout à l'heure, un combat de plusieurs heures, et qu'il y a un véhicule de police qui est endommagé, et côté qu'il y a plusieurs balles sur le véhicule là, gagné sous commissariat qu'on a arrivé en contrôle, et gagné deux policiers et qui blessés et mais certains soins et lors du combat ça, et pour Pipiti, et gagné deux bandits et qui est arrivé stoppé mortellement, et l'un dans l'eau, et c'est population qui est. Et j'en dis encore une fois, et nous comptons sous collaboration et population pour que nous sommes capables d'arriver en fonction du moyen, pour que nous sommes capables de faire tout ça qui dépend de nous. Dans les situations. Et vous attendez avec mon attention soutenue et considération Johnny et Tatfea avec recommandation et nous croyons que les critiques y a permettre nous pour avancer, y a permettre nous pour que nous en faire travail nous sur le terrain et au niveau tout de stratégie que la police a mis en place. C'est ça fait que nous toujours ouverts à toute critique et nous croyons que critique y a permettre nous pour nous porter plus d'amélioration parce que la police n'est pas simplement pour nous comme policiers, mais pour population et nous qui au niveau population, quel que soit secteur, que ce soit de l'opinion du monde qui a qui et notre population, nous croyons que c'est normal pour vous veiller, c'est normal pour vous garder, c'est normal pour vous aider et policiers dans des situations et qui est surtout qui difficile. Et ma parole. Donc si bien comprendre et la police, le fait que nous reprenons contrôle situation calme, ça s'est retourné, mais jusqu'à matin. Et nous tendez bruit cartouche et nous continuons à payer nous pour attirer l'attention de ce qui a passé en haut. Donc la police reprend intégralement contrôle situation ou bien en partie? Vous connaissez que en matière d'intervention, il faut toujours update ou capable de gagner aux situations comme dit à une heure. Et puis, une évolution qui fait à 2 heures. Et ça fait que, sauf que nous toujours anticiper. Et c'est stratégie, justement, qui va dire nous, si ça fait, mais comment on va faire. Nous avons des gens d'hier, et gagner la police, les policiers en roi. Et c'est certain qu'avec les tirs, qu'il y a la tuyau, qu'il y a la chasse, il faut nous casser l'équilibre sans se courir. Parce qu'on connaît que nous avons des âmes de longue portée, des âmes qui, des matériels qui, on dit, et des âmes qui, de pénétration qui gagnent l'air très très fort en résistance, mais pendant qu'on parle à volant, et nous sommes en contact avec le responsable au niveau des gens de Manuel Tadou hier, et c'est une présence, et c'est certain depuis que des nécessités pour que gagnent pour leur présence là et arriver seul. Parce que ça pour que nous avons évité de nous comprendre, et nous ne pouvons pas dédouaner notre tour de responsabilité, non. Nous connaissons que au niveau effectif, et c'est pas parce que l'un des effectifs est là, nous avons dédouané nous, mais en termes de matériel, nous connaissons tout problème et difficulté que nous faisons face. C'est une raison que nous gagnons un premier lot de matériel qui est mis pour le moment que nous avons expérience avec eux, pour nous montrer comment on est. Et un autre qui est pour l'unité, et pour la réalisation des formations au niveau de monde qui parle sous matériel sérieux et meilleure façon pour utiliser de manière pour capable nous plus de temps, pour capable permettre nous, pour que nous capables de faire travail nous, étant la police. Et encore une fois, et Déronel permet que nous dit que, exception, dès qu'il parle de la sécurité, le premier élément, c'est la police nationale, et nous avons entendu, les guerriers, à faire considération partout, concernant que c'est pas la police simplement pas là pour, la sécurité, mais c'est pratiquement, c'est tout en chaîne, et nous-mêmes qui fait partie de Maillon, ça, nous, pratiquement, défouler beaucoup de panneaux, malgré les difficultés que nous rencontrons, mais la volonté est là, et l'a utilisé le tout et pour que nous arrivions à le maximum, l'a optimisé ensemble pour nous gagner de manière pour que nous capables d'aller plus vite. Donc, parler de matériel endommagé dans l'opération qui fait hier dans notre avant-piste, mais bien avant ça,
et souterrain invité l'homme, nous avons parlé de matériel qui tombait en panne, et là, on a parlé de dernier blindé, ça n'a pas gagné longtemps, autorité a commandé pour venir aider à combattre question banditiste. Donc, comment comprendre ça, comment expliquer ça comme professionnel en question et la police, sécurité, donc de matériel qui a à peine acheté et puis matériel qui a pédé tombé comme ça? Alors, au moment de une considération spéciale, mais on connaît que, on ne peut pas faire nous, parce que il y a des gens au niveau institution qui préparent des compétences pour ça. Et dès qu'on parle de matériel d'ND, on parle de véhicules, alors c'est des techniciens, même en la matière, qui peuvent faire évaluation, et c'est une raison tout, les arrivés, les entrées au niveau garage, les techniciens qui là, et il y a même des instructeurs, qui comptent la tour pour qu'ils soient capables d'évaluer ensemble matériel. Bon, on connaît que d'abord on véhicule et qu'on a des défauts de fabrication. Alors ça, tout m'a maintenant, c'est pas des bagages qu'on a des douanes internes. Non, il faut noter. Mais même au niveau matériel à tout, et s'il y a des difficultés techniques, et c'est certain que c'est eux-mêmes et agit et de ce côté-là. Mais pour qu'ils sont blindés, hein, pour permettre que moi dise à auditeurs et également à nous-mêmes, et quand pile d'efforts qui sont faits au niveau ça, par exemple, blindés à sortir dans le champ d'opération, et si il y a des dommages rapidement, que ils entrent au niveau garage de manière pour que, j'aime dire, pour évaluer, et de manière pour qu'ils soient capables de tourner sous terrain, hein, pour qu'ils soient capables de faire service, et fort, nous avons plusieurs blindés, parce que c'est tout côté qui a sollicité et présence la police, au niveau tout département, au niveau toute zone qui a des problèmes, et nous comprenons normalement la population, hein, dans ce sens-là, parce que c'est le repère que le gain, c'est la police, et ça fait que nous, parfois, au niveau des exigeants, et nous comprenons l'exigence, et bon côté par nous, on a sollicité encore plus de matériel possible, de manière pour que nous soyons capables de faire face à la situation. Nous connaissons que dans l'année 95, zone 2000, ce n'est pas la réalité ça qui nous gagne. Et bien, de toute façon, il y a un peu d'effort qui fait face à l'opio. Mais là, nous avons notre situation et qui manquait justement adaptation. Et l'adaptation par cette deux coups. D'abord, les situations à développer, il faut que comprendre les situations, il faut évaluer les situations, il faut que gagner des réflexions qui fait sous la situation et tout. Demander tout, avant que les policiers passent sur le terrain et tout, mais il faut que et formé de ce côté-là. C'est ça que nous avons demandé. Pas parole. Madame Bilan, moi pas mentionné, c'est vrai, Pionel, essayer de poser des questions et un petit genre et global, ou pas mettre dans un bilan, vendre ça, que nous, ouais, bandit, a frappé porte lui, a joué avec lui, a fait photo avec lui, qui était à porter secours à Force Claudio en roi, qui lui-même était en panne. Alors qu'il va porter secours simplement avec les forces audio, mais il va porter secours toi, et la chanson, tout le monde, par les cliniques qui n'étaient pas d'elle. Et j'aime douleur. Il a même tenté de mettre du feu là-dedans, selon l'information. Ils n'ont arrivé et de toute façon, et remorquer. Et depuis hier soir, depuis qu'il a remorqué au niveau garage, et PNH là, et alors même par les garages là, et pour plein de jours, ils ont gagné. Et ils ont quantité et démontré vos structures garagistes qui évaluent eux et qui ont fait des travaux avec eux, des mondes qui sont de l'an, qui ont compétence en domaine et pour travailler avec eux, parfois tout pour renforcer eux tout. Alors, on va comprendre que bah, bon, on a un avis technique total de ça, mais nous arriver et récupérer et blindés, hein, et encore une fois, et guerrier, permettent encore une fois, et on a toujours fait pour nous que nous une population en bravo à. Et appuie ça du côté des populations et de la police en bordeaux au niveau des services. On précise encore sur la question blindé à votre parole. Est-ce que si attaqué bandit, ou t'es attaqué bandit, nous t'es ouais, alors, et blindé nous t'es ouais, imagine dans la carrefour là, ou bien c'est prend, ou t'es prend, et blindé à, et est-ce que c'est sandé ouais, c'est campé, le t'es campé, et expliquez-nous, parce que là, nous, ouais, bandit, t'as pas avancé sous lui, et au même rivé moyen, est-ce que t'es policier en Dublin de ça. Alors non, pas gagné, parce que moi, je m'a dit mon bagage et pour que moi gagne un minimum de formation et que ça m'a dit et qu'on crédit. Et si tu gagné, alors on va connaître nous, et on va engager nous, mais engagement de poste. Même pas quoi de la police là-dedans parce que c'est une bonne technique dans le et les policiers sont obligés de prendre à peine pour qu'ils soient capables de continuer le combat et pour que nous soyons capables d'aller
Nous estimons matériel, nouveau matériel ça qui vient, il y a cadré, il y a adéquat pour nous voir dans la mission. Alors, je me demande, on va parler avec notre porte-parole et qui l'a porté par l'institution, mais pour question qui est liée à la question technique là, on sait certain que vu l'inquiétude que nous gagnons, la population a dit, on croit qu'il faut que nous préparer une intervention. Disons quand on parle d'intervention au niveau de la presse pour que nous soyons capables d'expliquer exactement si il y a des problèmes techniques et si ça va arriver et toujours parfois on y est un dos et puis on doit en arriver justement et préparer et pour que nous retournions en mission. Donc blender ça encore et porte-parole et population était coué là-dedans yo et ça fait longtemps nous tapons blender yo qui finalement arrivé dernièrement là mais c'est pas cette quantité blender nous c'est 18 blender qui les reste blender yo à venir. Et alors on pas obligé pour nous exactement et qui date exactement qui jour mais non moment qui va trop loin et selon ça que nous avons de la part d'autres vidéos et pas de bon date mais il va prendre plus de temps pour ce matériel venir et j'en dis là et matériel ça y est la permet nous pour que nous capables de faire travail nous et la permet nous tout si de des situations dans des zones et pour que nous capables de répondre. Alors j'en dis dit tout à l'heure et la capable de tout et pour voyer les deux situations ça pour rapidement pour que nous arrivions mais c'est l'objectif pas nous tout à l'heure et c'est ça pour bailler dans toute police qui gagne des moyens adéquats pour ça. Mais nous connaissons une situation hein, et après nous apprenons tout et puis nous prenons une situation mais avec le plus jeune dire on a fait le maximum et pour que nous capables plus de matériel possible et les des situations sérieuses pour que rapidement pour que nous capables par exemple et si que nous avons autant de matériel autant de blindés nous croyons que nous ne pas concentrer au niveau et quand on pense nous pas concentrer au niveau département l'Ouest là et laisser à la pied des matériels qui allaient au niveau tout département là laisser à nous pas besoin comme si c'est ici pas sorti pour que nous allions dans département lui-même des matériels adéquats pour qu'il soit capable de même faire face à des situations et qui est capable de produire à n'importe quel moment. Entre-temps, situation a empiré, bandits continuent à prendre espace, et n'en parlons pas pour Matissan, perdu, et Canaran, et de même, mais au moins, Thierry Rivière, la Tibonite, là, ouais, jusqu'à matin encore, on a fait appel à la police, c'est qui, ça qu'a fait pour Thierry Rivière, la Tibonite, là, côté, entre, pour sortir, 9 pour 10 novembre, là, pour Pipiti, il y a 20 monde qui mourit, porte-parole. À la vérité, c'est un constat qui est regrettable. Et pendant que nous attendons les considérations que nous avons faites, les questions que nous avons faites, surtout que nous avons faites concernant les petites rivières d'Atibonite, moi-même, et ça me laissait faire automatiquement, c'est en contact avec les questions départementales là, et le commissaire divisionnaire responsable des départementales là, et les problèmes techniques, et qui sont arrivés, et qui sont venus, mais ça fait maintenant pour mettre tout, et pour que nous capables de venir pour dire exactement et ta situation, hein, de manière pour que nous capables de partager avec auditeurs, auditrices, Radio Caraïbes. Également avec la population. Merci, Pierre, papa. En attendant, permettez-moi de dialoguer pour que nous aidions rapidement le 17 novembre 2022 et la police a libéré une dame et côté que bandit était kidnappé et a séquestré dans caille au niveau 325. Et lors de libération, ça, la police a arrêté Davidson André et qui était en possession d'un pistolet de calibre 9 mm. Et noté Davidson André, monsieur, c'est un récidiviste, monsieur de la prison déjà, et monsieur de la commission pour le suivre au tâche là. Mardi 8 novembre 2022, et il y a un viol ainsi connu qui est arrivé blessé mortellement, et malheureusement, on a échangé de tir avec la police, et monsieur lui-même est évolué dans un bloc, dans le Canaran, qui est carré céleste.
Et côté que je malheureusement est arrivé blessé mortellement et suite à échange de tir avec la police. Et pour ça qui pourrait avec terminal Varreux, et la police toujours met une présence libre dans zone ça pour faciliter et permettre que les couloirs et sous contrôle et pour que le gaz est capable d'arriver dans le pompio. Et hier jeudi, il y a 102 camions qui arrivaient quitter l'espace là, il y a 345 400 et gallons gasoline, il y a 491 500 gallons gasoline qui étaient à bord, et 102 camions, 102 camions à eau qui arrivaient, qui étaient spatulants. Et pour finir, on a encore une fois la des populations, toujours pour des collaborations, et encore une fois, la félicité de tous les populations présentes à plus de bail avec la police, les policiers qui étaient sur le terrain, les policiers pénibles, également les policiers et unités d'intervention féminine par la suite en appui. Alors, avant de partir, mon ami Johnny, qu'on considère son défaut, juste pour te une rectification, et nous comprenons ce qu'on a dit, hein, et au niveau de la police, pas des policiers pénibles. Simplement policier, et que ce soit unité spécialisée que l'IA, que la police administrative, d'ailleurs, c'est vous-même qui êtes présent et beaucoup de populations, hein, et donc, sur une question d'anticipation, c'est du milieu et qui vraiment, malgré situation, malgré problème d'équipement, ouais, ils ont encore déterminé, ils ont encore une volonté pour que l'IA fasse travail, malgré moi. Alors, c'est juste une précision que je voter, mais nous devons comprendre les gens d'éducation. D'accord, pour parole. Et tout simplement concernant Joel qui nous annonçait que nous tuions, donc nous-mêmes, il y a une sœur qui parlait avec nous et qui a bien pour nous recevoir dans la radio qui dit que Joel, son chauffeur, alors son monde qui a travaillé, qui a monté camion, etc. Donc c'est pas un bandit qui vient vous faire quoi là. Alors moi-même, partager à vous ensemble des formations que nous gagnons et de choses que nous gagnons au niveau international, nous partager dans un bilan et que nous ne pas partiellement. Et tout bilan à venir très prochaine. D'accord, merci un peu. Gary Desrosiers, pour parole, la police là, qui était en direct ensemble avec nous sur la situation. Qu'a faut faire là donc ensemble avec question kidnapping là ben monsieur Gou Arméo on dit et gang Arméo qui a affronté l'un avec l'autre et ben gain des gangs armés lui-même et qui ont même a frappé à population a attaqué population gain des groupes eux même qui a cherché prendre territoire c'est le cas de les groupes Sayo et de Tilapli de Iso et de Tibois de Christa. Dès que ça même, mais c'est Goumé qui a pété, puis retourné dans la zone pour entrer sur la capitale là, pour capable de contrôler la plus grande partie en dans le pays, en dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, spécialement dans la troisième circonscription de Port-au-Prince. Pour le cas de 400 Marozo et de Vitry l'homme innocent, Mounsayo même il dit que il a campé pour attaquer les intérêts américains. Et c'est ça que fait hier, nous-mêmes dans matin débat, nous avons des informations qui sont venues nous de première main, côté monsieur 400 Marozoyo, nous connaissons un avis de recherche qui l'a derrière monsieur Sayo, gagné un long prime, les États-Unis d'Amérique, aux États-Unis promettent pour le bail 3 millions de dollars pour 3 monsieur Sayo, 400 Marozo et Slamo Sanjour, et monsieur Vitelom Innocent, et puis avec un autre soldat qui dans le groupe armé ça, qui s'est allié 400 Marozo. Maintenant, ces deux groupes, groupe Vitelom avec 400 Marozo, eh bien, monsieur Sayo, yo gagné l'argent sous tête yo, un million de dollars pour chaque tête, monsieur Sayo, n'importe moun, en d'un pays, qui t'appelle, information à l'ambassade américaine, pour capable transmettre information Sayo, d'ailleurs, un numéro qui affiché, pour capable, bail information sous, citoyen Sayo, qui en d'un pays, qui yo même, t'a impliqué dans kidnapper, citoyen américain. Je vous dis là, monsieur Yoyo même, yo campé mine, yo campé Kilanaganache, il a frappé et yo dit que yo même, yo pas campé, c'est frappé sous frappé, et c'est ça que faut ouais ailleurs, dans la zone frontière là, monsieur yo attaqué un convoi
de l'ambassade américaine, eh ben, et sous frontière, eh ben, côté gagnant, nous citoyens haïtiens qui étaient dans une machine, et ces deux patrouilles, monsieur attaqué, et là, derrière, tout était deux camions citoyens qui ont transporté carburant, et ben, monsieur Sayo, eh ben, attaqué, eh ben, convoi de l'ambassade américaine, ça veut dire que monsieur Sayo, yo senti yo tout puissant, yo a essayé, ou est-ce yo capable de défier les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est ça. Dans un moment, côté États-Unis d'Amérique, eh ben, mettez gros l'argent, sous table, sous tête, monsieur Sayo, et monsieur mauvais coucon, et ou gardez pour un peu matin à tout, monsieur attaqué, et le convoi de l'ambassade américaine accompagné de Yombakop Police qui était accompagné convoi ça. Sous attaque convoi, pas de mort. Non, pas de mort qui mourit. Mais il est arrivé passer quand même. Non, il était obligé de rester. Il était obligé de faire bac pour passer de l'autre côté. Mais il n'était pas capable de passer dans l'espace. Monsieur Katsamaozo qui a occupé l'espace ça et qui tirait sur lui et qui fait qu'il était obligé de retourner sous frontière là et pour retourner sous frontière là pour capable et éviter pour pas dire l'autre victime. Alors, on dit que dans machine et on nous dit dans véhicule qui t'a fait transporter et convoi alors qu'il est et convoi ça qui t'a gagné et mon de l'ambassade américaine là, faut nous dit que c'était des blindés et qui permettent à ce que je t'a traversé dans l'espace là et je t'ai essuyé des tirs de grands tirs. Vous pouvez regarder pour elle, monsieur qui était dans la machine, tu vas retourner sous frontière là pour capable éviter le pire. Alors, il faut qu'on dise que la situation est arrivée dans un moment côté, il y a l'argent, $1 million sur chaque tête, monsieur, pour capable, comment il y a un monde qui a des informations sur monsieur Sayo, ou capable de brûler l'ambassade américaine, ou capable de brûler. Sous un numéro que vous avez baillé et ces informations ça, eh bien, monsieur, gagné information là qui vient de vous, vous même vous mauvais coucou, côté, eh bien, vous campé en face de les États-Unis d'Amérique. Donc, ça veut dire que depuis que vous avez fini kidnappé 18 ressortissants, là-dedans, 17 ressortissants américains, et puis, yon citoyen canadien, eh bien, depuis les ça, eh bien, monsieur, yo, en guerre contre les États-Unis. Et les États-Unis lui-même, pas qu'on peut garder des nègres à ZAM, mais qu'on fait et défait. Et ça, qu'on prend loin, puis malgré tout, il y a de grandes décisions qui prennent pour capable de contrecarrer les gens qui font trafic ZAM. N'importe citoyen, haïtien ou étranger, les États-Unis d'Amérique, Taïwan, qui doit être trempé, impliqué dans la question de trafic ZAM en dans le pays d'Haïti, on va tomber sous le coup de la loi américaine et on pourrait tomber pour sanctions, et c'est ça qu'on regarde pour eux. Il y a plusieurs mouns dans le pays là, ils ont déjà retiré le visa yo, et mouns sa yo, selon certaines informations, qui t'a gagné, doit être trempé dans la question de trafic d'armes, trafic de drogue et trafic et humain. Donc, États-Unis d'Amérique déclaré l'hypop fait back face à vagabondage ou ensemble de nègres, soit dans la politique, soit dans le secteur privé des affaires, soit dans divers autres secteurs en dans le pays, depuis ou impliqué de près ou de loin dans divers actes en dans le pays, on est capable de tomber sous sanctions les États-Unis d'Amérique. Alors, entre-temps, tout faut nous dit que à partir de ces sanctions, la justice haïtienne a bien pour servir contre monde que les États-Unis. T'as déjà pris une décision contre vous. Alors, ça veut dire que, bien entendu, tout dossier ça, son gros dossier lié, de vous, ouais, États-Unis d'Amérique, fin prendre sanction contre une série de monde, on met connaît que le gouvernement haïtien, par le biais des chefs de poursuite pénale, M. Sayo, pral agit en conséquence. Alors, entre-temps, il faut que nous disions que, ailleurs, Monsieur Jacques Lafontaine est débarqué en Chango, non paquet, mais pas traité. Est-ce que c'est bagaille, sachez, personne ne va connaître. Mais un fait est clair, c'est que il était accompagné de ses gardes du corps qui te permettent d'entrer. Alors, faut qu'on dit que l'homme n'est pas commissaire du gouvernement encore, c'est normal, soit bien pour venir chercher bagaille ou
action gagnée non, mais est-ce que... interprétation. Mais ce n'était pas le cas hier, ce n'est pas ça ce que tu as fait hier. Alors, monsieur et Jacques Lafontaine est débarqué en Chango, accompagné de ses partisans sous plan politique, qui t'est accompagné sous la demande, selon certaines informations, sous la demande de, du chef du gouvernement, monsieur Ariel Henry, qui est nous capable de dire, pas pris dans même, parce que selon dernière lettre qui a circulé sous les réseaux sociaux, monsieur Jacques Lafontaine, tu as gagné. Non cité, non question de corruption. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Maintenant, M. Jacques Lafontaine, comme le disait le maître Azor, ailleurs, oui, sous micro, oui. Micro et maté débat, oui. M. Jacques Lafontaine, à partir de cette décision, de la décision administrative qui mettait sous côté, qui prend décision, le ministre d'alors, à savoir M. Berthaud d'Orsay, qui prend décision pour mettre en disponibilité. Et M. Jacques Lafontaine, l'Ipagion, l'autre barrière pour le faire, c'est rendu au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui tranchait les décisions administratives. Donc ça veut dire que même pour le ministre n'a pas qu'à prendre décision à lui-même seul,